tu ne vas pas mourir en 2023. Même s'ils sont allés faire des réunions, des incantations, qu'ils soient de ta famille ou d'ailleurs, là tu es dans les laboratoires de Dieu. Tu ne peux pas manger le corps de Christ et boire son sang. Que ceux qui mangent la chair de tes ancêtres puissent l'emporter sur toi. Toi, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Dieu lui-même. C'est sa chair que tu vas manger. C'est son sang que tu vas boire. Et nous allons lire le mystère qui se passe lorsqu'on prend son corps comme nourriture et son sang comme breuvage. Qu'est-ce qui arrive? Relève ta foi, relève ta foi. Même quand les attaques viendront dans le domaine spirituel, le diable agit facilement là où il y a la peur. Et Dieu agit là où il y a la foi. La foi appelle Dieu. La peur appelle le diable. La foi, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu d'agir librement dans notre vie. Et la peur, c'est le feu vert que tu donnes aux démons, aux sorciers, pour qu'ils puissent te déstabiliser. Regardez, un grand prophète, à l'instar d'Élie, une femme, alors qu'il venait de remporter la victoire sur plus de 700 prophètes de Baal et d'Astarté, je parle d'Élie, une femme a envoyé une lettre, juste une lettre, a effrayé le prophète. Il est devenu dépressif et il a été disqualifié de sa mission. Dieu a vite le récupéré. Et Dieu a mis à sa place trois autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la peur le sortir de sa destinée. Durant l'année 2023, la main de Dieu te protégera. Toutes circonstances que le diable va créer pour te déstabiliser par la peur seront nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que pendant une minute, debout ou assis, tu vas dire à Dieu, Seigneur, enracine-moi en toi, qu'aucune situation, même les tempêtes qui vont souffler durant cette année, ne puissent pas me déstabiliser. Est-ce que tu peux le dire pendant quelques secondes? Dis-le au Seigneur. Dis-le, Seigneur, que rien ne me déstabilise. Que rien ne déstabilise ma famille. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que rien ne me déstabilise. Dans le nom de Jésus. Que rien ne me déstabilise. Rien, absolument rien. Rien. Seigneur, que rien ne me déstabilise cette année. Garde ma vie stable. Garde ma santé stable. Que rien ne me déstabilise. Rien. Déclare-le dans le nom de Jésus que rien ne me déstabilise. Que rien. Aucune instabilité, Seigneur. Peu importe le nombre de mes ennemis qui me s'élèveront contre moi. Que rien ne me déstabilise. Aucune situation ne vienne me déstabiliser. Que les mauvaises nouvelles ne me déstabilisent pas en 2023. Dans le nom de Jésus, Roboshime Kafrabasso. Que rien ne me déstabilise, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur.